Oui. Monsieur Glass, s'il vous plaît. C'est lui-même qui vous parle. J'ai bien peur qu'il s'agisse d'un accident, monsieur. Votre femme, Myrtle. Quoi? Vous dites? Ma femme? Entrez, entrez, je vous en prie. Les mains en l'air. Embarquez-les. Quelque chose qui n'est pas clair. Attention! Fini pour aujourd'hui. Et fermez la boutique. Monsieur Powell, Danny Walsh. On a eu un pépin. La police était déjà sur place. Et tout le secteur était couvert. Non, non, s'en est sorti quand même. Mais on a dû tirer dans le tas. Et on a descendu un flic. Je sais pas s'il est mort. On y a été forcé. Ouais. Compris. Powell perd les pédales. Si ça continue comme ça, ça va mal finir. Et on va se retrouver sur le sable ou à l'ombre. On pourra se retirer et mener la bonne vie. Monsieur Powell, je vous avais dit de ne pas venir ici. On a un problème. Deux des inspecteurs ont pris l'affaire en main et nous mèneront la vie dure. Je parle de ceux qui dirigeaient l'opération. Écoutez, ne vous faites pas de bile, mon garçon. Je m'occuperai d'eux personnellement. Allez vous mettre au vert, vous et votre équipe, pour quelques semaines. Faites-moi confiance et suivez mes instructions. D'accord, mais ces deux-là m'inquiètent. L'un est américain et l'autre une fille, une blonde, plutôt jolie. Ils sont bons pour... D'accord. J'espère que vous savez ce que vous faites. Je crois que le jeu en vaut la chandelle. Sam! Oui, chérie, je viens tout de suite. Entendu. On va se mettre tous à l'abri. Et je vous souhaite une joyeuse cérémonie. Je vous garderai un morceau de gâteau. Eh bien, vous ne trouvez rien à dire? Minuit sonnait au clocher du village lorsque... Idiot.
Un instant. Laissez-moi réfléchir. Agissant sur information reçue après... Après enquête sur une série de vols à main armée dans le secteur de Hatton Garden. Au cours de l'action, le détective Billy Newman a trouvé la mort. Je suis chargée de faire un rapport, pas un article de journal. Si vous mettiez... On a arrêté 3 hommes armés en flagrant délit... Oh, faites-le vous-même. Vous tapez plus vite que moi. Ben, c'est pas difficile. Mon canari aussi. Allez-y, je vous écoute. Après enquête sur une série de vols, etc. Oui, ça y est déjà. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Ça se tend trop. Pauvre Billy Newman. Je me demande comment il n'y a pas eu d'autres victimes. Quelle nouvelle de la voie publique? Aucune. La bande a disparu. Et pourtant, le coup était bien assuré. Ces silhouettes me rappellent quelque chose. Alors, il n'y a personne ici pour aller ouvrir? Ça va, ne crie pas comme ça, j'y vais. Comme si je pouvais être partout à la fois. Mais personne ne te le demande non plus. Ouais, et combien de fois il faudra que je te répète que ton petit déjeuner est en train de refroidir? Je ne peux pas la mettre comme ça. Ça va, on va arranger ça. De toute façon, on a encore 2 heures avant la cérémonie. Tais-toi, tu n'y connais rien en mariage. Comment ça, rien? J'ai quand même épousé ta mère, non? Elle ne me va pas. Elle te va pas, elle ne te va pas, elle ne te va pas. Ça va. Elle t'allait encore bien quand on l'a livrée il y a 3 jours. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais téléphoner tout de suite à Madame Zorzi. Elle sera là dans 10 minutes et elle va t'arranger ça. Sois tranquille. Pourquoi faire venir Madame Zorzi? Pour les retouches de dernière minute. C'est compris, ne t'inquiète pas, ce sera parfait, ma chérie. Oh, il va y en avoir encore pour 1 heure. Et moi qui me faisais une fête de prendre mon dernier petit déjeuner avec notre Judith. Tu es trop sentimentale, ça te perdra. Ça m'aurait fait un souvenir pour quand je me retrouverai tout seul. Comment ça? Je suis donc pas là? Qu'est-ce qu'il y a? Powell veut nous confier un autre boulot. Quand? Maintenant. Maintenant? Ce matin, à 10h30. Mais on n'a plus personne sous la main. Ce n'est pas pour le boulot habituel, Mick. Il va falloir régler leur compte à ces 2 flics. Et Johnson va nous accompagner. Rien à faire, Danny. Pas Johnson. C'est un parano. Désolé, c'est comme ça, Mick. Johnson est un dingue. Tu le sais bien. Il est dangereux. Et je le sais. On n'a pas 1 minute à perdre. On va les trouver où, ces filles? T'inquiète pas. Ils vont venir au-devant de nous. Oui. Oui, ne quittez pas. C'est pour vous, Dempsey, un informateur avec un bon rhume. Le temps, Dempsey. Quand? Ah, ça ne me laisse pas beaucoup de temps, ça. Et c'est du sérieux, votre tuyau? Je vous en donne ma parole, monsieur Dempsey. C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Le City et Provincial Bank dans Kennington Street, juste après l'éléphant. 10h30. Mais ils vont piquer une bagnole devant le tribunal de Camberwell à 9h25. Il s'agit des deux frères Walsh.
Ah ben, je vous laisse. Qu'est-ce que c'est, l'éléphant? Un pachyderme, gris, quatre pattes et une queue à chaque bout. L'éléphant et le château, c'est un carrefour au sud du fleuve. City et Provincial Bank, à 10h30. Alors, à votre avis, sergent, quel est le gibier le plus recherché par la brigade du grand banditisme? Désolé, je n'aime pas jouer aux devinettes. Ce sont les frères Walsh. Ça nous laisse moins de 2 heures. Oh, attendez. Vous croyez qu'il s'agit là des frères Walsh? Oui. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être aussi les frères Walsh. Oui, la silhouette me rappelle aussi quelque chose. Bon, bah vous venez, sergent. Allez, venez. Vous voulez plaisanter? Un policier tué en service, une demi-douzaine de truands en train de mijoter la prochaine attaque d'une nouvelle bijouterie, et vous me demandez de monter une embuscade à l'éléphant sur la foi d'un renseignement vaseux signalant un hold-up de banque. La City et Provinciale est une cible intéressante. Elle a 200 000 livres dans ses caisses, et regardez l'emplacement. Et ça, c'est tout à fait dans le style des frères Walsh. Si c'est bien eux qui sont sur la photo. Et si ça n'est pas eux, ben c'est toujours bon à prendre. Ça, mon ami, c'est vous qui le dites. J'ai sur le dos le grand patron qui me réclame 10 fois par jour des résultats sur l'affaire en cours. 9 attaques à main armée de bijouterie de luxe d'Aton Garden. Des millions de livres sterling envolés. Notre service tourné en ridicule. Le détective Newman dans un tiroir à la morgue. Le ministère affolé par la liste grandissante des veuves et des orphelins. C'est ce qui compte pour le moment. Alors, je vous en prie, ne me faites pas crier, j'ai les cordes vocales fragiles. Les frères Walsh seraient pourtant une prise intéressante, chef. Oui, et même en haut lieu, ils ne seraient pas contre. Le commandant du C-11. Tuffy. Gordon. Oui. Non. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouvaient les frères Walsh au petit déjeuner ce matin? Je croyais que vous aviez les cordes vocales fragiles. Non. Quelqu'un du service qui me conseille de rester calme. Vous dites? Marbella. Depuis quand? Je vous remercie. Mes hommages à madame. Vos frères Walsh sont en Espagne. Lieutenant, est-ce que la date du 23 septembre vous suggère quelque chose? D'accord. Non, on m'avait donné un tuyau sûr qui s'est révélé un peu léger. Léger? 50 fonctionnaires quadrillant Piccadilly Circus pendant 8 heures sur un tuyau coulé en bronze? Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Vos cordes, chef? Il y a déjà une quinzaine de jours, et on a été la risée de tous les services de police. Oui, ça va. On n'insiste pas. Attaque de bijouterie. Des preuves. Je veux pour l'heure du déjeuner votre rapport sur l'affaire en cours. Oh, merci d'être venu aussi. Oh, je vous en prie. Je ne laisse jamais quelqu'un dans l'embarras, vous le savez, madame Powell. Tu vois, hein? Bonjour, madame. Sans vouloir vous commander, monsieur, nous avons des choses à faire. Où est la mariée? Je suis là. Oh, ma petite fille. Oh. Laisse-nous, papa, s'il te plaît. Oui, je te laisse. Je veux que tu sois la plus belle. La plus belle pour le plus beau jour de ta vie. Maman, tu veux venir pour voir si ça me va? Mais bien sûr, ma chérie. Je vous rejoins. C'est le grand jour. Je n'arrive pas à le croire. Sam, tu en fais une tête. Ah, ça doit être à cause de ça. Je me dis que la première fois, ça avait raté. Je reconnais qu'il y avait un peu de ma faute. Je m'étais montré trop autoritaire. C'est oublié, tout ça. Il ne faut pas qu'elle soit encore déçue. Je veux que tout soit parfait, tu entends? Ta fille aura aujourd'hui un mari, je t'en donne ma parole. Es-tu sûr de ne pas avoir d'autres soucis en tête? Moi? Je suis le plus heureux des pères, ça se voit. Un père rempli de fierté. Je te connais, tu sais.
Disons que j'ai quelques petits problèmes en ce moment. Des soucis d'argent? Ne t'inquiète donc pas, va. Le patron a peut-être raison. Speaking, c'est terrible. Vous saviez qu'on l'appelait comme ça? Est-ce que c'est le même informateur qui nous avait déjà si bien renseigné? Non. Si. Et après? Je suis un flic, Ariadne. J'ai le flair et j'ai reniflé quelque chose. Je vais avec vous. Quoi? Pour jeter un petit coup d'œil, sans plus. Si quelque chose doit se passer à 10h30, il est probable qu'ils aient posté quelqu'un. Jas, on va tenter le coup. Dites au patron s'il se met à hurler qu'on sera de retour vers les 11h. Il va hurler. Non, il a trop peur pour ses cordes. Bon, je verrai. Qu'est-ce qui urge? C'est pas tes oignons. Il faut me mettre au courant, Danny. Au sujet de ces deux flics, un des deux est une femme. Ouais, je les connais bien. Très bien, même. Ils sont à deux doigts de coincer Powell. Il faut s'arranger pour les mettre hors course avant qu'ils aient eu le temps de rassembler des preuves. D'accord. Avec plaisir. La compagnie des diamantaires associés réclame une enquête publique d'urgence. 9. Regardez. En 3 mois, 9 attaques de bijouterie qui ont fait des victimes. Oui, Dempsey? Il a dit qu'il avait affaire dehors. Je lui avais demandé son rapport tapé, signé avant midi. Ils ont dit que c'était urgent. Et où sont-ils allés? Ils n'ont rien dit. Vous n'avez pas votre idée là-dessus, sergent? Pas vraiment. Ça ressemble à une conspiration. Ils ont dû aller voir de près leur fameux tuyau, malgré mon interdiction. Oui, c'est possible. Faites-les revenir sur le champ. Il en a que pour une heure, je peux les remplacer. Ce n'est plus une conspiration, c'est une mutinerie. Puisque vous êtes au courant de tout, où est-ce que vous en êtes? J'ai étudié et réétudié le plan de près, chef. Tous les détails. Ariadne croit qu'une personne liée au diamantaire fournit des informations sur les dates et les emplacements où la marchandise est la plus vulnérable. Venez voir. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil sur leurs notes? On devrait trouver notre bonheur au milieu de cette pagaille. Il est possible, enfin je l'espère, que leur enquête ait apporté, comment dire, des preuves soutenant les hypothèses de Dempsey et d'Ariadne. Ça ne manque pas de pittoresque. Ça me rappelle mon ancien quartier à New York. Avant ou après que vous l'ayez habité? Voilà la banque. Ça a l'air bien tranquille. Comme dans l'œil du cyclone. Vous voulez qu'on s'arrête? N'arrêtez pas, continuez. Compris. Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme, grand, la cinquantaine. Avec un sac sur l'épaule? Oui, Stephen Albert Nee. Nee? Comme dans Enterrez-moi vivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vieux film. Et il a fait du cinéma? Non, il a surtout fait de la prison. Complicité d'attaque à main armée et cambriolage. Récidiviste avec un casier chargé. Et soupçonné de participation à des crimes de sang. Relâché, faute de preuves. Oui. Il s'agissait de règlement de compte. Au sujet de cette affaire de complicité... Il faisait le guet. Il n'en a pris que pour 2 ans. Ah, il a repris le boulot. Arrêtez-vous plus loin. Bon. Et ben, qu'est-ce que vous faites? Je passe un coup de fil à la boutique. Il ne nous reste plus qu'une heure.
Ah, j'hésite un peu, hein. J'ai bien compris que le chef a encore le coup de Piccadilly dans le gosier. Il vaut mieux attendre d'être absolument sûr de celui-là. Attendez-moi ici. Et si ça tourne mal? Tant mieux. Si c'est trop risqué pour l'un de vous, qu'il le dise et qu'il se barre. Non, pour moi ça colle. Sammy Powell paie bien et j'ai un compte personnel à régler avec ces deux-là. Avec quoi on va travailler? Fusil de chasse à canoncier et pistolet. D'accord, ça peut aller. Ça, c'est une robe. Oh, Judith, tu es superbe. Tu la donneras plus tard à ta fille et même peut-être à ta petite fille. Oh, tu sais, elle me serre encore un peu, là. Elle serre? Mais comment pourrait-elle serrer? Les coutures ont été relâchées deux fois déjà. Je pense plutôt que ce petit bedon a pris un peu d'embonpoint. Qu'est-ce que vous insinuez donc là? Je veux dire que lorsqu'on se gave tous les jours de chocolat au lait, ce n'est pas le moyen de s'amincir la taille. Ronnie dit que je devrais en manger un peu moins. Il n'y connaît rien du tout. Ma jolie petite colombe, c'est son droit d'aimer le bon chocolat. Et un époux doit pardonner à la femme ses caprices. Le temps presse. On vient. Oh, réponds, c'est sûrement le traiteur. Sam Powell? Où est-ce qu'ils sont? Bon, exactement comme prévu. Ouais, à bientôt. Eh bien, sergent. Ça va se déclencher. 40 minutes. Si vous voulez qu'on intervienne, il faut se décider. Oh, je me tâte encore. J'imagine la bobine de speaking si on donne l'alerte une fois de plus pour des brunes. Oh, écoutez, vous êtes toujours en train de mettre votre flair en avant. Eh bien, j'en ai aussi. Et c'est un quartier où il peut se passer des tas de choses. Eh bien, ils ne s'embêtent pas. Nous louer ça 20 livres pour le reste de la matinée. Faut bien que tout le monde vive. Il n'y en aurait jamais vendu pour cette somme-là en une matinée, ni même en une journée. Non, mais nous aussi. Je vous préviens tout de suite. Je ne sais pas comment on les fait. Mais moi, je sais. Oh. On m'appelait le roi du hot dog. J'ai vécu à Coney Island. Ça vous dit quelque chose, ça? Et si on appelait la boutique? Pourquoi faire? Pour donner à Speakings l'occasion de nous passer un savon. Puis d'ailleurs, il ne nous reste plus que 35 minutes avant le décollage. Vous êtes sûr que ça va aller? Oh, bah dites donc, on n'apprend pas un New-Yorkais à fabriquer des hot dogs, hein. Bon, alors je me charge des saucisses et vous, vous faites le paf. On travaille en équipe. Je crois apercevoir là-bas un client possible. Avec un impair, chaussures marron, chemise couleur foncée, lunettes cerclées d'or. Le Belek. Vous le connaissez? Il s'appelle Dawkins. Je l'ai déjà arrêté. Ah bah alors, ils sont deux. Est-ce qu'on demande un coup de main? Il est déjà presque l'heure. Allez, donnez-moi un de vos petits pains. Si je t'en collais un sur ton gros nez, hein. Dempsey, sergent MacPherson, des stupes. Alors, ma belle, on s'est reconverti ou vous êtes en planque? Eh, MacPherson, un coup de main, ça nous arrangerait. Je peux vous aider à préserver votre couverture. Servez-moi un de ces trucs, mon garçon. Avec ou sans moutarde? Comme ça vous ira, l'ami, je suis pas difficile. Allons-y. Et voilà. Alors, ce coup de main? Oh, ce sera pas la peine. Réflexion faite, on s'en tirera tout seul. Merci quand même, MacPherson. Et bonne journée.
Vous aussi. Avec un peu de chance, on s'en tire. Eh ben quoi, mon gars? On n'aime pas les hot dogs? Est-ce qu'il ne devait pas voler une voiture? Ah, mais oui, j'oubliais. À Camberwell, à 9h15. Il est 10h. Appelez et vérifiez. Chas, Charlie 5 en ligne. Excusez-moi, chef. Allez-y, Charlie 5, je vous écoute. Chas, je voudrais savoir si des voitures ont été volées ce matin à Camberwell Court Green, plus précisément entre 9 et 10. Négatif. Si, attendez, ça vient de tomber. Mais vous lisez dans le marc de café ou quoi? Marque et couleur, si possible, à vous. Marque Daimler Sovereign. Couleur Bordeaux. Et pour vous, rouge foncé. C'est eux, hein? Allô, Charlie 5? C'est Papa Gâteau à l'appareil. Vos notes, c'est de l'hébreu. Pas pour moi, Papa Gâteau. Par exemple, qui est Autruche 3? Personne pour l'instant. Ça n'est qu'un nom de code, mais je crois que c'est le type qui se cache derrière tout ça, chef. Je n'ai rien de positif en ce qui le concerne, mais c'est probablement un négociant en pierres précieuses. D'envergure internationale. J'aimerais bien des précisions. Charlie 5. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Ce n'est qu'une question de temps. Eh bien, rentrez par le prochain train pour diriger les opérations de votre bureau. Écoutez, le coup de la banque est déjà en route. Je vous répète que les frères Walsh sont à Marbella. C'est clair, non? Voulez-vous vérifier? Veuillez répéter. S'il vous plaît, grand chef. Et que pourrais-je faire d'autre pour vous? Du thé? Du café? Un sandwich au foie gras, peut-être? Non, merci. Non, ça pour la bouffe, ça va, on a tout ce qu'il nous faut. Il y a une petite chose quand même. Ah oui, je l'aurais parié. Quelques renseignements sur un certain Stephen Albertney et un certain Dawkins. Tout le palmarès tenant et aboutissant. J'attends de vos nouvelles, papa. Gâteau. Alors, il nous envoie du renfort? Après le coup de Piccadilly Circus, ça m'étonnerait. Et voilà. Merci. Merci. Ben vous voyez, il les mange. Parce qu'on les vend seulement à moitié prix. Oh. Dempsey, si le coup était en route. Mais il est en route, c'est certain. La voiture a été volée ce matin. Les frères Walsh sont sur le sentier de la guerre. Et ben qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas tellement rassurée. Ça vous étonne? Vous, sans blague. Je vous ai déjà vu dans des coups au moins aussi risqués que celui-là. Chez vous, ici, il y a des tas de flics comme chez nous, là-bas, qui n'ont, pour ainsi dire, jamais dégainé leurs armes. Avec vous, au moins, c'est pas le cas. Il ne s'agit pas de ça. Mais si, justement. Nous avons une mission. Alors, votez pas mon courage. J'en aurais besoin. Ça m'arrive à moi aussi d'avoir la trouille. Je vois encore Billy rouler par terre, criblé de balles. J'en ai l'estomac serré. Tenez, ça va le calmer. Imbécile. La diffusion pour Charlie 5, à vous. Ici Charlie 5, je vous écoute, à vous. Ici Speakings, référence, les deux frères en question. Ils sont allés en Espagne, comme on le croyait, mais ils en sont repartis le soir même via la République d'Irlande. Donc ils devaient être dans le coup. Oui, exact.
Grosse bise, papa gâteau. Alors ? Allô, Charlie 5. Je vais alerter un groupe d'intervention mobile qui va vous rejoindre aussitôt que possible. Non, attendez un peu. Ils seraient repérés aussitôt et ça risquerait de tout flanquer par terre. On va s'efforcer d'immobiliser leur véhicule juste le temps nécessaire. Attendez de nos nouvelles. À vous. Bien reçu. On fera ça dans la décontraction. Je ne veux pas que des civils soient victimes de bavures. Je vais prévenir le directeur de la banque et lui faire évacuer les lieux. Non, pas question non plus. On a repéré deux hommes au dehors, il peut y en avoir un troisième dedans. Bon, alors n'en parlons plus. On va arrêter les occupants de la voiture volée et les inculper de possession et port d'armes prohibées. Depuis le temps que j'attendais les frères Walsh au tournant... Terminé. Ah, si seulement on avait eu un peu plus de temps. Il ne passe pourtant pas vite. Ah oui, il n'est que 10h06. Ouais. Ah, alors vous avez encore la tête ailleurs. Pensez à ce pauvre Billy. Non. À la bande, à leur coup trop bien préparé. Ah, ce sont des gens précautionneux. Ils ont même des guetteurs à l'extérieur. Eh oui, en cas d'imprévu. Et nous aussi. Comment ça marche pas toujours? La dernière fois, on s'est fait posséder. Ouais. Et c'est Billy qui a réglé la facture. En attendant, le vin est tiré. Et une fois tiré, il faut le boire. D'accord. Ça soldera le compte de Billy. Oui? Ce qu'il est nerveux, le pauvre cher homme. Oui. Ah, on ne marie pas sa fille tous les jours, hein? Vous êtes dans l'état. Oui, c'est d'accord. Les précautions sont prises, rassurez-vous. Bien. Ça ne paraît pas tourner rond. Ouais. Ah, ça y est, la voiture est là. Attention, Judith, c'est fragile. Et n'oubliez pas, dès que nous serons partis, un taxi viendra vous prendre pour vous conduire à l'hôtel. Et n'oubliez pas non plus de surveiller le personnel et surtout le bien sûr, comptez sur moi, Madame Powell. Oh, vous êtes un ange. Judith, tu es radieuse. Est-ce que tu ne trouves pas qu'elle est radieuse, Samuel? Samuel! Papa, réveille-toi, conduis-moi à la synagogue, c'est l'heure. Qu'est-ce qu'il a? Les affaires, ma chérie. Il a de gros soucis. Plus pour longtemps, mes chéris. Bientôt, on n'en parlera plus. Oh, dites donc, c'est nouveau, ça. C'est pour faire plus naturel. Des flics ne se tiennent jamais ainsi. Eh ben, alors allons-y. Oh. Quoi? Vous empestez la saucisse. Elles étaient pourtant délicieuses. Oh. Quoi? C'est un coup qui se prépare. Un coup qui se prépare? Oui, les jeunes, là derrière, dans le buggy, ils vont attaquer la boutique. Plus que 4 minutes, ils vont tout faire rater. Attendez ici. Fais pas ça.
Fais pas ça, il y a des flics en planque. Fais pas ça, je te dis. Il y en a un en face, là, sur le trottoir. Mais il en a pas l'air. Ben, s'il en avait l'air, il serait pas flic. Allez, fais pas le con, fais pas le con. Barre-toi. Salut. Moi, je m'appelle Ariel. Et toi? Tu veux te faire buter, hein? Alors tu vas rentrer chez toi, comme un bon petit jeune homme, et tout de suite. Mais qui êtes-vous? Le loup solitaire. Bon vent. Bien joué, chérie. Tiens, une Daimler Bordeaux. Oui? Le nommé Philip Dawkins que Dame C nous a signalé tout à l'heure. Oui? Eh bien, il était associé avec un certain Samuel Powell. Je connais Powell. Je l'ai placé sous surveillance très rapprochée pendant des mois. Il n'a pas fait un seul faux pas. Pas même une malheureuse contravention. Tiens, les revoilà. Alors? Ce sont eux. Les deux frères Walsh et un autre type que je n'ai pas reconnu. Et qui s'appelle Desley Johnson. J'ai descendu son frère, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Ce boulot n'est pas à la pointure d'un Desley Johnson. Des diamants? Samuel Nathan Powell, en juin de cette année, a acquis une participation majoritaire dans une grosse affaire de pierres précieuses. Dempsey et Harriet l'ont pris dans leur collimateur il y a un mois. Powell n'a pas dû apprécier. Oui, surtout lui qui s'est toujours vanté de manipuler les autorités. En leur fournissant de faux renseignements, par exemple. Comme pour Piccadilly Circus. Et trois semaines plus tard, un autre tuyau bidon. Selon lequel les deux frères Walsh allaient piller une banque. Ce qui veut dire que la City et Provincial Bank n'étaient pas forcément ce matin à leur menu. À 10h29, ça ne va pas tarder. Allô, Charlie 5. Je n'arrivais pas à vous joindre. Je vous passe le patron. Allô, donnez-moi votre position. À vous. 50 mètres à l'est de la banque Kennington Street. Nous avons identifié les occupants de la Daimler, les frères Walsh et Desley Johnson. À vous. Harriet, l'objectif, ce n'est pas la banque. C'est vous. Il dit que c'est nous. Tout ça est en relation étroite avec la série d'attaques de bijouterie. L'autruche est un truand du nom de Powell. Sammy Powell. Alors, ouvrez vos oreilles. Et c'est un ordre. On a un enterrement après-demain, je n'en veux pas trois. Évacuez la place immédiatement, je vous envoie des renforts. Terminé. Ma chère Judith et mon cher Ronnie, je suis heureux de vous accueillir ici parmi nous, vous et votre famille, vos proches et vos nombreux amis. Et en cette merveilleuse journée, permettez-moi de vous offrir cette prière. Alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils vont faire le tour par derrière. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav. ומקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. Madame Powell, donnez ceci à Judith, s'il vous plaît. Monsieur Warner, donnez ceci à votre fils, s'il vous plaît.
demande bien ce qu'ils attendent. Sûrement qu'on prenne l'initiative. Deux flics tués en intervenant pendant un hold-up, ça n'a rien d'anormal. Ils sont déjà en train de se payer notre tête, tes salauds. Mmh, ça en a l'air. Mazel tov. Mazel tov. Eh bien, en tout cas, si on ne fait rien, il ne se passera absolument rien. Écoutez, la preuve est faite que Billy a été tué sur ordre de Sammy Powell. Si on arrive à persuader les frères Walsh à témoigner contre lui, Powell est fichu. Oui, à condition de les prendre en flagrant délit. Alors il n'y a qu'à donner le coup de pouce avant que l'idée leur vienne de retourner en Espagne. Et comment? C'est facile. Vous avez une idée? Il faut qu'un de nous joue le rôle de la chèvre. On le tire à la courte paille? Inutile. Allez, c'est pour moi. Je vais me le payer. Qu'est-ce que je fabrique? Face, une chance sur deux. Police! M'en l'air! Souriez, s'il vous plaît. Allons, mieux que ça. Parfait, je vous remercie. Ah, les parents à présent. Monsieur et Madame Warner, Monsieur et Madame Powell, tous les quatre ensemble. Mais qu'est-ce que vous faites, Monsieur Powell? Retournez à votre place. Oh, comme c'est attendrissant. Si on en refaisait une autre, hein, pour l'album de la prison. Un instant. Souriez, chef. Oh, ils sont impayables. Regardez, mon mari a toujours adoré faire des farces. Et une dernière, pour nous deux.